grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui des grosses têtes 100% féminines. Une grosse tête qui, en plus de la journée de la femme, aimerait bien aussi retrouver des soirées de comédiennes, Valérie Mérès. Une grosse tête favorable à la journée des droits de la première dame, Valérie Trierweiler. Une grosse tête qui, avec Froufrou, avait beaucoup fait pour les samedis de la femme, Christine Bravo. Une grosse tête ambassadrice des droits de la stagiaire sur France 3, Michel Bernier. Une grosse tête que l'époux encourage vivement à sortir de la cuisine, Ariel Dombal. Et une grosse tête qui, pour ne pas encourager la misogynie, sera interdite de Sacha Guitry aujourd'hui, Isabelle Mergaud. Ah, ça fait plaisir de voir toutes ces femmes réunies. Super, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bravo. Elle râle. Elle arrête pas de râler. Et en plus, j'ai pris les six qui s'entendent le mieux, parce que j'aurais pu mettre Marcela Yacoub au milieu de tout ça. Oui, c'est vrai. C'est marrant, quand même. Ouais, c'est celles qui s'entendent le mieux, mais moi, c'est... Ah, non, moi, je trouve ça extraordinaire que des femmes, voilà, six femmes. On sent une femme. Mais d'où t'es une femme, toi? D'où t'es une femme? T'es un roseau, toi, t'es pas une femme. T'es un truc. Oui, mais elle, c'est un roseau pensant. Et voilà, puis, il y a quatre actrices, quand même. Non, tout ça, c'est formidable. Il ne faut pas oublier. Il y a quatre chômeuses, vous voulez dire. Rappelons un peu les faits. 1924, c'est les là où on a eu le droit de passer notre baccalauréat. Oh, attention, 1924. J'ai intérêt à vérifier toutes les dates. Bon, voilà, oui. Mais si, je les ai appris par cœur. 1924. Non, c'est la date à laquelle tu l'as passé. 1938. Quand est-ce que tu l'as eu, surtout? Mais je l'ai eu avec mention très bien. C'est à l'oral. Mais attention, j'ai triché. Ah, oui, t'as triché quand même. Bon, mais peu importe. 1938, première fois qu'une femme peut avoir une carte d'identité. Vous vous rendez compte, ça n'a même pas... Et alors, elle était comment, la tienne, en noir et blanc? Non, mais carte d'identité en 1938. Après, 1957, une femme a le droit d'ouvrir un compte en banque. 1957. Tu fais du gratin dauphinois, plutôt. Non, mais tu vois, je me suis dit, d'ouvrir bien les femmes, les droits des femmes. Mais tout ça, c'est quand même moins de 100 ans. Justement, j'ai une première citation, évidemment, que tout le monde connaît. J'imagine que la réponse devrait arriver très, très rapidement pour Gregory Winter, qui habite Belfort, qui a dit « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. » Françoise Giroux. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oh.